Voici la revue de presse. Bonjour Alain Jouan. Bonjour. Une litanie de noms pour commencer. Anthony T, 30 ans, mort le 1er janvier à Dole. Je filme les mêmes lieux, les mêmes gestes, ceux qui m'entourent, jour après jour, jusqu'à ne plus me souvenir, jusqu'à confondre les instants, jusqu'à ce que l'image se prolonge indéfiniment. Je ne me souviens plus des premiers journaux filmés. Cela fait plus d'un an et demi que j'ai commencé cette histoire. Alors, jour après jour, je produis les mêmes images, sans même m'en rendre compte. Je répète, sans m'en apercevoir. Sans le savoir, aurait dit Monsieur Marcel. Comptez. Il faudrait compter maintenant. Tenir un inventaire des lieux, des gens, des objets, des trajets, des propos tenus, des sons, des musiques. Tenir compte, rédiger le scénario a posteriori. Le scénario n'est-il pas une invention de comptables et de gestionnaires des sociétés de production de films pour prévoir, quantifier, évaluer? Je fais le chemin à l'envers, mais dans le journal filmé, il n'est pas question d'argent. Il est juste question de temps, de mémoire, de défilement. Je ne me souviens plus du premier journal filmé. Celui-ci est le 63e. Avec le temps, la mémoire s'atténue. Je suis incapable de parler du journal filmé numéro 20, ni du 50, ni du 12. Il aura fallu tout ce temps pour oublier. Comme dans la vie, les souvenirs des jours s'effacent, se mêlent, se confondent pour constituer une mémoire fluide, une mémoire mouvante. Le volet qui s'ouvre, le bol, le café, la cafetière, le sucre, le micro-ondes, identique matin, identique trajet en voiture, la route pour aller à Nantes, la tour de Bretagne, le tramway, la médiathèque Jacques Demy. Identique et différent, puisqu'enregistré plusieurs fois. Comme au cinéma, on rejoue la même scène. Comme au cinéma, mais pas vraiment. On suit des lignes. Et il y a tout ce temps pour oublier, pour bien oublier, nettoyer la mémoire, ne plus savoir, juste suivre la ligne aveuglément. Mais il fonctionne alors du coup? C'est juste, l'enregistrement fonctionne. Là, moi j'appuie sur l'enregistrement, ça fonctionne, donc il n'y a pas de... Pour moi, c'est un message complètement anodin, comme vous dites. Alors, je vais sur YouTube pour me souvenir. YouTube devient une mémoire numérique, double, externe. Pas vraiment la mémoire de mon existence, mais celle de mon double filmant. Être filmant plutôt que filmeur. Pas vraiment la mémoire de mon existence, mais celle de mon double filmant.
Le temps travaille l'image, la dilate, la compresse, la comprime. Comme la carabine comprime l'air pour envoyer le plomb. Le journal filmé produit sa propre matière. Filmer, c'est faire corps avec l'entour. Filmer, c'est faire lieu. Filmer, c'est faire lieu. Trouver un point de vue et s'y tenir. Il est peut-être venu le temps de regarder le journal filmé comme un tout, pour découvrir ce qu'il donne à voir, à entendre de ma présence au monde, de la présence de mon corps dans ce monde, pour tenter de découvrir ce qui m'a échappé.